Originally, I'm a physicist and I've been working in the oil and gas industry for more than 10 years. So, after a while, I wanted to reuse this expertise for a more sustainable topic. Midlife crisis, I was about 40 and I wanted to reuse this expertise acquired during so many years for something sustainable. And then, geoenergy came naturally. Our mission is to democratize geoenergy, a local and decarbonized energy for sustainable cooling and heating of buildings. It consists in going into the ground to take its coolness during summer and warmness during winter, just like animals do in their burrows. We've developed the first search engine for geoenergy so that every building owner can easily know whether this technology is adequate for him. But to make it simple for non-specialists requires unique and deep tech modeling behind that we develop in partnerships with academic partners. On top of technical aspects, we also work on financial modeling. Because great discount of buildings due to more and more stringent environmental regulations is a key concern for owners. Our early adopters have been mainly institutional property companies, and we plan to extend our portfolio to other customers like cities, for instance. Besides, we plan to extend our geographical coverage from France to other European countries. We address both attenuation and adaptation to global warming. Attenuation, because geoenergy is a local and carbon-free energy. Adaptation, because cooling of building is becoming a major concern. At VivaTech, we're very proud to announce the commercialization of our search engine for France, and we do plenty of demos. We comfort our good business relationship with ENGIE. It's the kind of large companies that clearly know what open innovation means. So we feel both their support and at the same time, their respect for the value we are creating. In 10 years, thermal renewables will be everywhere. And Geosophy, which means the wisdom of the earth, will be a standard brand because the ecology transition is not an option for business. It is a survival matter. Even though you're very strong on technical topics, don't forget business. That will be the key. Next time you will go to your cellar, you will remember the discrete and sustainable value of the near underground resources. Je suis le cofondateur donc de Quantum, une start-up parisienne fondée en 2017. Qui développe des solutions et des technologies à destination des installations photovoltaïques pour la gestion technique des actifs solaires. Nous avons une expérience assez longue dans le domaine du solaire chez différents acteurs de la chaîne de valeur. Donc, par expérience, on a fait le constat partagé que le marché de l'énergie solaire a été depuis le début essentiellement concentré sur le développement des nouvelles installations, l'accroissement des capacités, et que le parc existant, déjà conséquent, était complètement délaissé, peu suivi, mal optimisé, et qui ne bénéficiait pas du tout des dernières innovations et des technologies, ce qui a résulté en fait souvent des baisses de performance et un potentiel mal exploité. Et donc, on a décidé de s'intéresser à ce parc existant et de promouvoir les innovations, de développer des technologies à destination de l'existant en vue d'améliorer ce parc et de gérer ce risque qui pesait dessus, ce risque de rentabilité et de pérennité.
pour y apporter des solutions. Notre mission, c'est de favoriser et promouvoir une énergie solaire compétitive et durable grâce à l'innovation et en particulier dans le domaine digital. C'est d'évangéliser le marché et de sensibiliser l'ensemble des acteurs de la filière à l'innovation et aux bénéfices que peuvent apporter nos technologies et notamment dans le domaine numérique. Et bien sûr, comme toute start-up, nous avons aussi un très gros défi qui est de convaincre nos clients et nos partenaires que nous sommes effectivement en capacité d'adresser ces enjeux et de délivrer les promesses que nous leur faisons. Le moment est venu pour nous vraiment de changer d'échelle, ce qui veut dire accroître notre empreinte territoriale, notre maillage sur l'ensemble du territoire national au travers d'un réseau de partenaires régionaux, d'une part, et d'autre part, s'adresser à des acteurs de taille plus conséquente, prendre en charge une volumétrie de projets plus importants et surtout des projets de plus grande taille. C'est la raison d'être même de Quantum, puisque notre mission s'inscrit évidemment pleinement dans la transition énergétique et dans la transition écologique, puisque nous voulons promouvoir, comme je l'ai dit, une énergie solaire compétitive et durable, c'est-à-dire faire du solaire la pierre angulaire du modèle énergétique de demain et de faire de tout propriétaire d'installation solaire un véritable acteur du marché de l'énergie. En plus de ça, on s'inscrit pleinement dans l'économie circulaire puisque au travers de nos projets, tout le matériel que nous sommes amenés à remplacer, nous faisons en sorte de le réinjecter dans le circuit, notamment sur le marché de seconde main pour tous les équipements solaires que nous déposons. Nous avons répondu à l'invitation d'Engie afin de pouvoir mettre en avant nos technologies et nos innovations en matière de data analytics, d'intelligence artificielle et de maintenance prédictive dédiée à la gestion des installations solaires. C'est vraiment un rendez-vous assez incontournable. C'est l'occasion de rencontrer des grands groupes qui sont souvent issus d'un univers qui est très différent de l'univers des startups, cet univers souvent étanche et des mondes qui se rencontrent relativement peu, alors que nous avons beaucoup à nous apporter mutuellement. Et donc, VivaTech, c'est une opportunité assez unique pour cela. C'est déjà assez difficile de se projeter à 2 semaines, mais dans un scénario ultra favorable, on se verrait bien être un acteur à part entière du marché de l'énergie, tout seul ou pourquoi pas adossé à un grand acteur de l'énergie tel qu'on peut trouver ici. Croire en soi, rester fidèle à ses convictions, sans arrogance, toujours avec beaucoup de bienveillance et savoir très bien s'entourer, aussi bien en interne qu'en externe. Le monde ne s'est pas arrêté en 2020, il a juste fait une pause. Les opportunités, elles sont toujours là, elles sont même sans doute plus nombreuses qu'avant. Maintenant, il faut savoir les saisir.